Anne Hidalgo, c'est le maire de tous les Parisiens, de ceux qui veulent la grève, de ceux qui veulent pas la grève. Et la fonction du maire, ce n'est certainement pas d'encourager les débrayages, etc. Le maire n'a pas à prendre parti, n'a pas à rentrer dans les conflits. Ouais. Ce n'est pas le travail du maire que de choisir certains administrés au détriment d'autres. Elle a un droit de police, c'est pas pour protéger certains et puis laisser les autres se faire attaquer. Lorsque le maire de Paris décide de soutenir un mouvement de grève, il sort de sa fonction. Son boulot, c'est de faire fonctionner la ville. Elle peut le faire parce que personne ne la met en justice pour ça. Peut-être que certains Parisiens qui ne sont pas d'accord avec la démarche du maire qui sort de sa fonction et qui fait autre chose que s'occuper de la ville, peut-être que certains trouveront à redire et l'emmèneront au tribunal pour qu'elle réponde de ses actes et qu'elle nous explique pourquoi elle choisit un camp alors que ce n'est pas sa fonction. Elle a une indemnité qui lui est versée pour faire fonctionner la ville. Pas sa ville, c'est la ville de l'ensemble des Parisiens. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.